Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Cette semaine, le Morienzap passe une centaine puisque nous sommes au Morienzap numéro 600. Merci pour votre fidélité depuis plus de 10 ans et de suivre semaine après semaine cette célèbre émission. Allez, sans plus attendre, le sommaire de ce nouveau Morienzap. Vidéo promotionnelle pour notre chaîne Morien TV. L'occasion de retrouver les moments forts depuis 2010. Sur le dernier marché nocturne de la saison estivale de Saint-Michel de Maurienne et du concert de clôture. Suite au succès de la première édition des marchés nocturnes, la mairie de Saint-Michel de Maurienne a renouvelé l'expérience. Au cours de l'été, 4 marchés nocturnes ont été organisés au cœur de la commune. L'occasion de mettre en avant les artisans locaux. Ce soir, nous en avons une quinzaine et ce sont que des artisans locaux. On a du miel, on a des fromages, on a de la lavande, on a des savons, on a beaucoup de choses et des choses locales. Pour le dernier marché nocturne de la saison, l'artiste Nello Serra a terminé la soirée par 1h30 de concert. C'est un peu plus difficile parce que nul n'est prophète en son pays, mais ça fait énormément de plaisir de retrouver le public de Saint-Michel de Maurienne. On a changé un petit peu de pas mal de choses, pas mal de morceaux, et puis on a eu en renfort, on a un pianiste claviériste qui est vraiment excellent. Ouais. Donc ça, je pense que ça va apporter un peu plus de choses. Voilà. Un événement festif qui permet de dynamiser la commune. Alors l'intérêt c'est déjà de se retrouver le soir lorsqu'il fait bon ensemble, c'est déjà un peu communier, amener beaucoup d'ambiance, de convivialité et on comptait un peu peut-être sur les touristes qui peut-être, bon moi je pense sont restés en station mais peu importe, nous sommes heureux de l'avoir fait et peut-être que l'année prochaine on verra un concept différent.
On y réfléchit en tout cas. On se retrouve donc en 2023 pour un nouveau projet. Retour en image sur le trail de l'Étendard à Saint-Sorlin-d'Arve. Le 31 juillet dernier, une centaine de participants se lançaient dans le trail de l'Étendard. Une épreuve de 65 km avec 3900 mètres de dénivelé positif. Un parcours magnifique traversant deux départements et 12 lacs. Trailers heureux comme des poissons dans l'eau. Encore une belle édition réussie sous un soleil éclatant. Votre ZAP touche à sa fin. Vous pouvez retrouver l'ensemble de vos reportages sur les box et les réseaux sociaux. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour de nouveaux reportages locaux.